Enfin, dis-nous, pour dire son réfugié, mon nom, dans toutes circonstances, au cas qu'on se loue sur ça. Mati, peuple haïtien, criminel, pas oublier, côté Max Rouge. Fédération protestante d'Haïti, pas quitter la congrégation Rock Solide, pour contre lui. N'a dit nous courage, courage, courage. N'a continué la bataille pour nous gagner une autre société. Nous demandons à Dieu qui gagne toute sagesse là pour lui porter consolation dans quelle famille des enclos. Zami, mesdames, vous tombez dans la circonstance ça. À toute notre famille qui est victime, l'événement tragique ça qui était passé samedi dernier. La justice dans le pays, ça fait fierté pays, ça le pays en dignité. La justice, c'est une honte pour la nation ça. Merci. Il faut une violence, qui soit plus violente que la violence. Freiner la violence. La seule institution garante de cette violence, c'est l'État. Donc, par définition, l'État est une institution qui exerce de la violence légitime. Merci, Pasteur Philippe-Dor, président de la Fédération protestante d'Haïti. En tant que représentant Rock Solide, Pastor Forge, accompagnez-moi, mais c'est tout par l'église à consoler-nous. Demandons à consoler-nous, nous livrons un petit témoignage. J'appelle le responsable du paramètre d'accueil de l'église Rock Solide, tout d'abord à la personne de Pedro Alcina. Elle va nous présenter son témoignage. Et tout de suite après, il y a une amie de la famille, des collègues du travail, parce que Sherwood et Saradji faisaient partie du ministère ou du paramètre d'accueil de l'église Rock Solide de Tabar. Avec lui, pas de l'excès beaucoup. Accueil Rock Solide, tout d'abord, fait connaissance avec ce Sherwood dans l'année qui était 2018, dans le mois de mars, dès qu'il est décidé pour lui rentrer dans le paramètre là, pour lui. A établi comme une offrande pour travailler pour Dieu. Il est présenté devant tout critère qui gagne pour faire partie du groupe. Il est d'accord. Depuis lors, nous gagnons un joueur. Un joueur qui n'a pas changé. Pour des maîtrises, pour des maîtres dans les bonnes circonstances. Et puis, cher au bon côté, c'était salé. Puis, c'est pour ça que je vois ça, ça va durer samedi dernier, 6 heures du matin. Jusqu'où il y a un côté de me la main, je me suis dit, ils sont toujours en train de dire que les chers ont jusqu'à beaucoup de place. Trois, c'est quatre ensemble. Major qui venait à l'époque, c'est qu'il n'en est pas fait. Mais le bon côté, il fait tout ça capable de lire. Non seulement on fait travail,
pour parler au monde. Pour parler du monde dans cette vie. Mardi dernier, le 16, nous faisons une réunion pour que je convoque tout le monde par maintenant. L'invité m'a parlé avec lui. Il débat chaque monde possibilité pour nous exprimer face à l'insécurité qui gagne dans l'église, qui va nous attaquer l'église. Et que c'est très bien pour nous venir parce que depuis l'homme vient sauter sur ton cadavre de la caméra, on est obligé dans ton pressoir, dans ton délai. C'est le bien qui marque le problème. Si tout fond la difficulté pour venir, c'était la caillou. Mais l'homme va essayer d'éviter votre commande. Passer sous santé, passer par les gens. Avec un pile tristesse, samedi matin à 6h, même Valérie qui veut nous visiter, mais qui nous fait pas de problème. C'est lui qui a fait des choses pour nous aider. L'un qui nous aide, mais les sécurités, l'église a monté les sortes de dire est-ce que c'est vrai? Et si vous faites des programmes, c'est le conseil. Allez l'église, l'on y veut faire voler. L'arrivée pour vraiment les limites, garçon, mais si vous voulez, qui laisse mon voie impossible pour venir vous visiter. On peut marcher loin pour monter l'église. Et que les arrivées, j'aime tout pour l'âme aux yeux. Dès qu'il y a un protège, soit quitter la bonne, on a dit est-ce qu'on est capable d'accompagner pour nous regarder, pour nous servir. Est-ce que c'est vraiment. Le arrivée, je vais aller d'abord. Du même Sarah qui peut pour fin brûler. Chers parents, amis proches et aux personnes ici présentes affectées par ce deuil, je vous dis bonjour. Je me tiens aujourd'hui en face de vous dans cette pénible et tragique circonstance. Dans le but de rendre un dernier hommage aux victimes de cette tragédie. D'une façon spéciale à Sherwood, son Jésus, ainsi connu sous le nom de Titi pour ses amis. Je veux commencer tout d'abord par citer la troisième strophe de l'hymne à la liberté de notre feu poète et dramaturge Antoine Dupré. Et je cite, par les droits de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Le palmier perd sa vertu, le citronnier perd son fruit, l'homme naît pour cesser d'être, mais dans la postérité. Ne devrait-il pas renaître s'il aimait la liberté? Juste pour vous demander à chacun de vous ici présent, parlait-il d'un fait aussi atroce et inimaginable? Seul monsieur, car il est écrit dans la Bible tirée du livre Job, chapitre 1er du verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a retiré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tout en sachant que ce n'est pas sa biographie que je veux faire, je vais juste partager avec vous, en quelques mots, mon expérience avec elle. Accordons-leur une minute de silence. Nous sommes rencontrés en 2015 pour la première fois à l'église Roxolide de Tabar. Elle était accompagnée de sa famille. Et dans un délai pas trop long, nous sommes intégrés au sein du paramètre accueil de l'église. Depuis lors, nous sommes devenus de très bonnes amies. Elle avait l'art de cultiver l'amitié. Elle était toujours de bonne humeur. Elle avait un moment joyeux et unique. Il y avait toujours une sorte de vie et de chaleur en sa compagnie. Sherwood était une fille très simple, coquette, joviale, bonne conseillère et très serviable. Elle était l'amie de tout le monde. Elle était toujours là pour ses amis. Elle n'était pas hypocrite. Elle avait le sens du partage. Elle était très solidaire envers ses amis.
Je me rappelle pour sa fête en 2019, on avait fait une surprise. Je lui ai dit que je viendrais la chercher pour aller quelque part avec moi. Elle m'a dit d'accord. Je lui ai dit, fais-toi belle, impatiente. Elle n'arrêtait pas de m'appeler. Elle disait, où es-tu tout ce temps? Ça fait longtemps que je t'attends. Et tu n'es jamais venu. Je lui ai dit, attends, je suis en route. Mais j'étais tout près de sa maison. J'attendais les autres amis pour entrer ensemble. Voulant que la surprise soit parfaite, j'ai appelé sa maman pour la faire entrer dans sa chambre. C'est à ce moment-là que nous sommes entrés dans la maison et ensuite aller vers sa chambre pour la surprendre. Elle était tellement heureuse qu'elle s'était mise à pleurer tout en disant « Où est-ce que tu finis ta fête? Ok, t'en es pas que problème. » Jusqu'à ce que nous devons faire. Elle nous a fait part de son contentement en nous disant qu'elle a vraiment apprécié ce geste. Nous avons connu tellement de bons moments ensemble. Et par ce jour, je ne me rappelle pas qu'elle était en colère contre nous. Pour bien dire, la colère ne faisait pas partie de son vocabulaire. Et si voilà, Titi, Dieu seul sait pourquoi il a donné la permission de t'arracher si jeune, si gentil. Voilà. Et puis pour samedi, on m'a donné cette histoire. Connaissant Titi, quelqu'un l'entendait dire, elle a vu fort. Et puis malheureusement, elle était sortie samedi jusqu'à ce que ce gars aille. Et on a perdu Titi. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour la rendre une dernière hommage. C'est pour ça que nous de gens, de personnes en disant, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Thank you.
ça va être dans l'autre côté encore. Thank you.
Thank you.
Le féminisme,
toutes ces images, tous ces textes excellents, Seigneur, quand tu diffusais ça à partir de la misère africaine, tombe dans un mélange de la nuit dégoûtant, de compassion, de condescendance et aussi d'ironie, de sarcasme, de safarie, de la misère. C'est cela que nous contestons, c'est cela que nous combattons. C'était isolé en Afrique. Mal compris. Mal compris, mal aimé. Mal. Une fausse colonie. Sankara, tu as été trahi par ton meilleur ami. On le surnomme aujourd'hui encore l'étoile filante de la fierté africaine. Homme féministe, adoré des foules, trahi par les siens. Voici comment Thomas Sankara, le Tché africain, est devenu la fierté d'un continent entier. 1949, quand Thomas Sankara naît, son pays, la Haute-Volta, est une colonie française. Fils de gendarme, destiné à être prêtre, il fait partie des rares enfants scolarisés. Durant sa scolarité militaire, il rencontre des opposants au régime, lit des œuvres marxistes, se forme en France et à Madagascar. Curieux, éloquent, charismatique, partout, il revit. Vous êtes responsable et vous êtes responsable et vous êtes responsable.
se crée au milieu de cette atrocité. Où le soleil semble se coucher et qui nous rend de lumière. Oui, je crée, dis-je, que le malheur de mes amis garçons ne nous a pas trouvé le bonheur de les avoir connus. Mon frère, les amis, à la déclaration de la vie, je ne me vois pas, je me dis, en le même personnel, de ce même tout à l'heure, de la vie de ma vie. On va prendre une contre-fonction. Vous ne pouvez pas, quand tu as beaucoup d'amour à partager, un sens de responsabilité à enseigner, sur l'aspect de la parole de Dieu à conjuguer. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.